comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Boy, does he smell it. You're never getting the double L. I said so. I keep it buzz up in my heart. Donc salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle news sur 2K16. Donc là je vous aurais donc balancé, je ne sais pas si j'aurai les droits du copyright, mais je ne pense pas vouloir balancer. Mais donc là vous êtes en train de visionner les secondes de la vidéo qui nous a été balancée par le compte YouTube de 2KDave. Donc là vous voyez donc en boucle, donc déjà premièrement on peut voir donc en bas à gauche que c'est toujours en progrès. Donc ce n'est pas la version finale heureusement. Donc c'est ce qu'ils font donc pour créer donc tout ce qui est jeu. Donc on peut voir donc John Cena qui est donc confirmé. Donc ouais, c'est pas une énorme nouvelle de la mort qui tue, parce qu'on savait qu'il serait confirmé de toute façon. Mais au moins c'est fait. Et donc là, comparé à l'année dernière où on avait donc les entrées hors tenue, là on a donc les vêtements qui sont directement installés. Donc on peut voir déjà que les vêtements ont l'air beaucoup mieux réalisés que l'année dernière. Peut-être que je m'avance un peu trop vite. Mais je sais que le travail est encore en développement. Donc j'espère sincèrement que ils vont nous épater niveau vêtements. Donc là l'entrée, on peut la visionner un peu plus. Il court le ring comme d'habitude. Je vais essayer de revoir un peu où est-ce que je... Au début nous pouvons voir aussi qu'il bouge un peu les bras de partout. Peut-être pour... Peut-être quand il bouge les bras, il se rapproche un peu du public pour taper dans la main. Donc une interaction avec le public. Dans les entrées, c'est peut-être un point à prendre, on sait jamais. Sinon, la fin de l'entrée a l'air exactement comme celle de 2K15. Où il regarde le public, il se bat dans les cordes. Ça, il s'est pas montré dedans, mais c'est ce que j'imagine. Donc c'était tout ce que j'avais à dire donc sur cette news. Donc juste une petite... un petit truc sur les vêtements, donc ils veulent qu'ils soient mieux modélisés, donc ça peut être sympa. En espérant qu'ils nous balancent d'autres news en attendant SummerSlam. En tout cas, j'espère que cette news vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, c'est Jean, bye bye, et à la prochaine. Peace out.